Je me présente, je m'appelle M. Kwasi Kwadio-Lucine. Je suis né à Tomondi en 1984. Je suis le président de la fondation Mère Maria Rosa Messica. Je suis le chef d'entreprise de Perdima Group. Perdima Group évolue dans plusieurs domaines, comme import-export, l'immobilier. La fondation a été créée par moi pour lutter contre la pauvreté. Parce qu'on a trouvé qu'en Afrique, c'est un fléau qui fait en sorte qu'il y a plein de jeunes qui souffrent. Je suis né d'une famille très pauvre et c'est pour ça que je me suis levé pour décider de créer la fondation, pour aider plus mes frères, mes soeurs, les enfants surtout. Nous sommes rendus au sud de Yopougon. On s'occupe de 600 enfants. La fondation a pris tous ces enfants en charge pour s'occuper de ces enfants, les enfants microbes. Et moi, je les ai baptisés les enfants Dieu donné. Aujourd'hui, il y a 300 enfants qui sont pris en charge parce qu'il faut les prendre en charge et on est en train de, ils sont épouvantables. Après ça, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place pour l'intérêt de ces enfants-là et que ces enfants aussi puissent avoir une vie meilleure. Voilà le rôle de la fondation. Et surtout, pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner les ONG, les différentes ONG qui sont en place, pour que notre rôle puisse s'exprimer en fait. Voilà. La fondation Maria Rosa Messica qui est ancrée. Notre base, c'est à Yopougon, en Dokwa. C'est là-bas même en train de travailler pour aider. Parce qu'on compte construire un sanctuaire, parce qu'on aide tout le monde, il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Le premier pierre va se poser dans le mois de mai. Et là, avec mes partenaires, je ne fais pas ça seul, parce qu'il y a des partenaires au niveau de l'Europe. Il ne faut jamais te décourager, parce que moi-même, je suis dans une famille très pauvre. Pourquoi aujourd'hui j'ai créé la fondation, ma mère a décidé de me quand même mettre fin. Parce que j'ai perdu ma mère, on n'avait pas les moyens. Et c'était compliqué pour moi à cette époque. La génération aujourd'hui, tout le monde veut guider, chanter. Mais je ne suis pas de chanter, je suis de suivre les hommes d'Abouninda qui vont réussir dans la vie. Et troisième chose, c'est pour dire à ces jeunes qui vont à l'école d'éviter la politique. Parce que la politique, ce n'est pas le moment qui est bien. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils se concentrent d'avoir la foi, en même temps de prier. N'importe quelle religion, si tu es musulman, chrétien, même bouddha, il faut croire ce que tu fais et Dieu va te sauver. Je suis Aristide Ando, collaborateur du président Kwadio-Lucien, qui est président de la fondation Rosa Maria Messica. L'association Rosa Maria, elle est basée sur les conditions aujourd'hui pour faire du bien autour d'elle. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le groupe, cette association, pour aider à prendre l'expansion et aller plus loin de ses activités. Bonne nuit, M. Kwasi, parce que déjà, je vois quelqu'un qui est très actif, quelqu'un qui a une pensée positive. Aider son prochain, ce n'est pas venu de tout le monde. Déjà, il faut être fort, bien dans la tête, il faut être bien dans la tête pour pouvoir le créer et y penser. Donc, je l'ai trouvé un homme très bien, très motivé, très créatif et aussi qui est à l'écoute des autres. Bonsoir, je suis Mademoiselle Lé, secrétaire générale de la Fondation Maria Rosa Messica. De footballeur, il est devenu directeur général d'une entreprise, de directeur général devenu président. Pour moi, c'est une référence. C'est une référence en ce sens qu'avoir des ambitions n'est pas donné à tous.